parce que voilà, si je suis devenu auteur, c'est parce que je suis conteur. Je raconte des histoires. Des histoires, je raconte depuis longtemps. Les premières étaient à ma mère. Quand il n'y avait plus de chocolat dans le buffet, c'était pas moi, c'était ma sœur. En lui disant qu'il faut pas qu'il s'en fasse, l'argent arrive demain sur le compte. Le Cléa, ben, c'est le amener l'écriture, enfin jouer avec l'écriture, avec les publics que je rencontre. C'est un ours qui est en train de lire, et ours qui lit, c'est pas tous les jours. Ce qui fait qu'il y a Renard qui passe, qui fait « Hé, ours, qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, je lis. »« Mais tu lis quoi ?»« Bah, je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd'hui. » »« Ah. Et je suis dessus ?»« Renard, bouge pas. »« Oui, Renard, tu es dessus. » »« Ah. » Et ça, c'est exactement ce qu'il y a là. Je vous montre Renard. Renard arrive pour voir ours. Là, Renard arrive exactement dans la même position pour voir ours. Parce que c'est marqué Eric Pintus, c'est parce qu'il y a un bel ours. Et que le bel ours, c'est Martin Bourg qui l'a fait. La base, c'est le texte. Typiquement dans une classe, c'est quand ils écrivent, c'est pas forcément drôle. J'essaie de leur pas de leur dire qu'écrire c'est drôle, mais que ça peut être un jeu. Quoi. Faites fonctionner l'imaginaire. Oh, rougis. Ah, mon cahier est bleu. Non, mon bleu est cahier. Le foncé. Oh. Et un cahier bleu foncé, je le prends. Ouais. Cahier bleu foncé, dans ma bulle il y a un cheval libéré, dans ma bulle il y a une chaise, un bureau, dans ma bulle il y a les bêtises à Toto, dans ma bulle il y a une dame taureau, dans ma bulle il y a des puants pour Toto. Je m'appelle Bilal Alem, je suis artiste des arts graphiques et je suis artiste résident pour le Cléa Lanceliévin 2022. Oui. Avec les hiéroglyphes? Oui. Qu'est-ce qui me rappelle un peu? Alors ce matin, on a dessiné, on a écrit avec uniquement des dessins, à la manière des hiéroglyphes, mais avec leurs hiéroglyphes modernes qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude d'utiliser, à savoir les emojis. Et donc on est parti de textes écrits par Eric Pintus avec d'autres enfants pour essayer de créer des phrases avec comme seul mot les images. J'ai choisi « Dans ma bulle, il y a du sable d'Algérie », c'est ça ? Dans ma bulle, il y a un combat de toupies. Dans ma bulle, il y a 80 Québécois. Il y a une sensibilité qui se dégage de leurs dessins et moi, c'est ça que j'aime approcher. Je passe mes journées à jouer avec eux, donc je peux pas beaucoup mieux faire.